بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Frère en islam, la sincérité de Salimoun là fait une vie en quelque chose qui est bien rare sans qu'il nous connecte la sincérité avec le dîn. Quand nous guettons la sincérité au niveau de nos travail mondaine envers nos propres races humains, envers humains, nous réaliser qui sa qualité-là, c'est une qualité qui en manque. Quand nous peinons la sincérité, et non une autre qualité, maladie, qui prend place, sa maladie-là, nous connaît comme une personne qui lui double face. Certainement, sa maladie-là, nous appelons la maladie de Nifaq, qui veut dire l'hypocrisie. Et celui qui commet Nifaq, nous appelons un munafiq. Le bon qui nous définit un nifaq afin qu'il ne pas tombe dans sa catégorie-là, nifaq de sharia, de din islam, lui veut dire qui m'a montré l'islam par mes paroles ou bien mes bonnes actions, quand en vérité, dans mon lekir, en dans à l'intérieur, et dans le coufre, veut dire pas croire dans ce qu'il m'a dit ou bien faire. Ou bien nifaq aussi, nous capables de dire d'une autre façon, c'est ban qui montrait fausse prétention, les prétendent telles affaires, mais les pas comment c'est qu'il les prétendent. L'important qui nous connaît l'origine de Nifaq, l'origine de l'hypocrisie, pour nous comprendre sa péché là. L'époque de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, quand ils finissent faire hijra, l'hypocrisie finit faire face, surface. À travers celui qui nous appelle Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui te rend dans din islam ouvertement, mais en réalité, dans ce lequel, lui te rejette din islam. Ibn Saloul, qui est un aspirant chef d'Amadina, qui veut dire qu'il est dans un futur très proche, lui te bouvine chef de Madina. Mais malheureusement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin rentre dans Madina, Banna fin met nous prophète sallallahu alayhi wa sallam comme chef. Alors il fin perdu sa place là. Et dans ce l'esprit, il fin trouver qu'il est meilleur. Qu'il rentre d'adine. Qu'il vienne un opposant. Qu'il est plus capable de gagner une difficulté. Alors il fin complète beaucoup contre l'islam. Surtout quand ban munafiq, je désire. L'homme est musulman dans la bataille de Uhud, mais Allah subhanahu wa ta'ala pas fin laisse ce prophète sallallahu alayhi wa sallam à terre et lui fin informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ban complot qui fin énorme. Abdullah bin Ubay bin Saloul, c'est seul hypocrite qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait ce namaz janaza parce qu'ensuite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pas fait namaz janaza de man munafiq ni debout côté jet qabar. Alors il est important qu'il nous connaît ou bien nous comprend ban catégorie dans nifaq, dans l'hypocrisie. Première catégorie dans nifaq ou bien l'hypocrisie, c'est nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, c'est l'hypocrisie dans nos croyances et nous appelons et nous catégorisons comme grand l'hypocrisie pareil contenant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui informe nous conséquences de ban celui qui peut adopter grand l'hypocrisie. Lui pas impossible qui donne l'époque nous est une grande hypocrisie, qui en quelqu'un il rentre dans l'islam juste pour connaître certainement secret, en quelqu'un il rentre dans l'islam juste pour lui connaître
certaines petites choses concernant la communauté musulmane. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant cette catégorie personne-là, innal munafiqina fi d-dark al-asfal min an-nar, qui certainement sa bonne catégorie hypocrite là je te pousse dans section plus bas dans l'enfer, walan tajid lahum nasira, qui je pas pour gagner aucun aide, veut dire que je peux rentrer dans cet enfer là pena en sorti pour eux, pena un sens qu'ils ont pour gagner. Ça c'est conséquence de celui qui a adopté grand l'hypocrisie. Et inshallah Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous contre sa qualité ou bien sa catégorie de l'hypocrisie là. Amin. Deuxième catégorie de nifaq ou bien l'hypocrisie, c'est nifaq amali, l'hypocrisie d'action, ou bien nous capable catégoriser aussi petit l'hypocrisie, petit l'hypocrisie. Sa qualité l'hypocrisie là lui concerne nos bonnes actions, veut dire qu'il ne nous pène aucun problème dans nos iman, dans nos croyances, mais nous avons un certain manquement dans nos actions. Alors nous sommes capables de dire que sa qualité, l'hypocrisie, là, n'est pas concerne nous, mais laisse-nous guider nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui finit d'écrire sa catégorie, l'hypocrisie, là, à travers un hadith qui est mentionné dans Bukhari et Muslim. Il dit... Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Quatre qualités qui une personne li possède sa bonne qualité là, et sa, quand il possède sa bonne qualité là, li pour un pire, li pour un pur hypocrite plutôt. Et wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha. Et si un qui possède une de sa bonne qualité là, sa personne-là, il possède qualité d'un hypocrite jusqu'à qu'il abandonne sa qualité-là. Tant qu'il pas abandonne sa bonne qualité qu'il nous peut mentionner là, il peut compte comme un celui qui est hypocrite. Première catégorie, Iza Tumina Khana. Si nous fait sa personne-là confiance, il trahit sa confiance-là. Combien nous trahir, nous bannes frères musulmans, notre confiance. Si nous faisons donner quelqu'un un travail pour lui faire pour nous, nous faisons lui confiance. Il dit à nous, nous donne toi best price, best quality, etc. Nous faisons lui confiance, nous donnons qu'à cela, les qui est content, mais quand nous guettons résultat, lui trahir nous confiance, parce qu'il nous peut attendre un travail propre avec sa personne-là, et non pas un travail brit. Ça c'est trahison dans la confiance qu'il y a un signe de nifaq, de l'hypocrisie. Deuxième catégorie, wa idha haddatha kadhaba, si quand il peut causer sa personne-là, il cause mentir. Malheureusement, nous musulmans, nous ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous bien faux dans sa catégorie-là. Et de frère ou sœur, je te prends sa petite chose-là, sa petite chose qu'il appelle mensonge-là, pour nous abaisser nos prochains, nous cause mentir, pour provoquer des autres, pour provoquer nos prochains, nous cause mentir, pour nous faire nos prochains jaloux et mensonges, fin vin en petite chose, si tant l'inormal est banalisé, un dimoun nous cause mentir. Les causes mentent pareil comme lui peut prendre l'oxygène. Alors attention, ben celui ou celle qui cause mentir, chaque fois qu'il y prend parole, sa personne-là, lui ayant une qualité de l'hypocrisie, de munafiq dans lui. Et troisième, wa iza ahada radara, quand il fait promesse, il casse sa promesse. Il fait une promesse pour monter la paix, mais seulement jamais la paix là, l'immortel de ton compte. Il fait une promesse pour donner-toi tant de compensation, mais il donne-toi juste la moitié de compensation. Il fait une promesse, l'autre promesse, et nous trouvons aujourd'hui dans la catégorie ben, politicien qui fait beaucoup de promesses, mais seulement au final, il n'a pas fait rien pour nous. Et là, nous venons vers nos jeunes qui finissent bien profitent
l'eau, elle nutrifie. Ils viennent bien profiter, ils font une promesse qu'ils n'ont pas qu'un tracan pour mourir, nous. Pas qu'un tracan pour mourir quand ils connaissent, pour casser sa promesse-là, qu'il y a une fausse promesse, ou bien un tifi aussi, ils bien profitent le poste de ce boyfriend, comment nous dire, et ils disent, moi pour mourir avec toi, moi. Donner, veut dire, continuer, vider, comment nous dire, sa qualité, fausse promesse-là, li amène vers l'hypocrisie ou bien li tout à fait l'hypocrisie, nous faire fausse promesse envers l'un à l'autre, ça c'est un signe de l'hypocrisie. Et ensuite quatrième catégorie, wa idha khasama fajara, et quand il y a une discussion ou bien il y a un argument, li comporte li de une manière brite ou bien insultant. À nous prendre l'exemple de nos bonnes sociétés islamiques, de nos bonnes masjid, quand les musulmans ont fait 5 fois les namaz, ont gardé la bob, mais quand il y a un problème ou bien une différence avec nos frères musulmans, nous trouvons 10 de masjid même pour capable de régler sa qualité problème là. Et pas besoin de dire où, sa qualité mot nous servit envers nos frères musulmans là. Et il y a même fini un sable de masjid. Nous faisons plus qu'Ibn Baba en tant qu'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tirons ça dans Masjid, une place qui supposément besoin à la tranquillité, respect et aussi nous applique parole Allah subhanahu wa ta'ala dans sa place-là. Sa même place nous peut bafouer ce respect qui nous supposait énorme. Et là, ça, c'est 4 signes. 4 signes qui. Il y a un signe de l'hypocrisie et nous connaissons bien, nous pas bizarre à loin, nous trouver certaines petites choses, ces 4 signes qui sont bien vivants dans presque toute la société islamique. Ça, c'est un résumé de l'hypocrisie. Et là, nous dire qu'Inch'Allah, personne d'entre nous, nous peinons grand hypocrisie dans nous. Et Inch'Allah, nous tous nos imams, les sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous guettons les sahaba radiallahu anhum, concernant ce qu'ils nous appellent l'hypocrisie, qui est cette réaction quand ça, cette chose-là, qui est mentionnée, Imam Zahabi, rahimahullah ta'ala, lui dit dans ce livre, les causes un événement concernant Omar radiallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui informe Hudhayfa bin Yaman radiallahu anhu concernant le nom de ban hypocrite. Et là, Omar radiallahu anhu fin diman Hudhayfa radiallahu anhu avant qu'il nous rende la conversation qui fin énorme entre ces deux-là, laisse-nous guetter. Qui s'en lance à Omar radiallahu anh? Omar radiallahu anh, c'est lui-même celui qui est appelé à l'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il finit apprendre que sa propre famille finit embrasse l'islam. Et par la même occasion, Allah subhanahu wa ta'ala descend iman de celui qui est Omar radiallahu anh, c'est lui-même de plaisir situation quand certains finissent dépasse limite. Dadin, il demande permission à nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Fada'ni fal adrib unuqahu, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laisse-moi, donne-moi la permission, me saute sa personne là, ce licou. Si tant iman tu faut, si tant ta quoi tu faut, li pas tu peux capable te lire ban kitseuse, ou bien quand certains dépassent limite dadin islam. L'imam radiallahu anhu, quand il s'est passé le chemin, Shaitan, je te sens trajectoire, zis pour pas croiser Omar radiallahu anhu, à cause c'était une personne de caractère faux, de son iman faux, de pas ce taqwa, un taqwa qui faut. Ça même Omar radiallahu anhu, qu'il y en a un niveau de iman, il pose Hudhayfa bin Yaman radiallahu anhu question et lui dit. Quand il finit connaît que Hudhayfa bin Yaman et non la connaissance de ban nom de ban hypocrite, lui demandait, lui dit, anaminhum, est-ce qui m'ont parmi ban hypocrite?
Et Hudhayfa bin Yaman Jali faqal Allahumma la, pas Allah, pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu parfumes pas, tu deviens hypocrite. Et Hudhayfa lui continue de dire wala uzaki ahadam ba'adak, et mon père vous donne information, mon père vous informe personne après toi, veut dire que tu seul fin gain certaine confirmation qui te pas un hypocrite. Imagine nous-mêmes un sahabi de un calibre de Omar radiallahu an fin gain traque attention les font partie de ban munafiq tension il y en a nifaq dans lui tension il y en a l'hypocrisie dans lui est-ce qui nous pas supposé gain ça traque là qui attention nous en a l'hypocrisie dans nous pour ban qui tseuse moderne pour ban qui tseuse qui passait de sa dunya là. Par exemple, si nous papé réussit faire saving la fin du mois, un qui gagne libre travail, mais le papé réussit faire saving la fin du mois, nous rôder, côte sa saving là puis aller, côte défaut là peut venir, et si nous-mêmes nous peut mal saving sa casse là, nous pouvons dire nous-mêmes. Si nous-mêmes nous peut gaspiller sa casse là, nous pouvons dire nous-mêmes et nous pouvons prendre sanction contre nous-mêmes, afin qu'il ne nous pas gaspiller sa l'argent là. Quand nous cause l'hypocrisie ou bien nifaq, frère en islam, tout le monde je dois sauver. Tout le monde je dois sauver. Personne ne peut faire face à la réalité qui nous appelle l'hypocrisie là. Dans nous la tête, tout le monde est hypocrite. Moi tout seul qui pas hypocrite. Et il y a aller comme ça même. Chacun qui souffrir, musulman, de sa façon là. Et nous dire, oui, nous capables de gagner protection contre sa grande hypocrisie qui tient à l'époque de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant nous dire est-ce qu'il nous pas évaluer nous-mêmes concernant sa petite hypocrisie qui nous trouvait facilement nous capables de tomber dans sa quatre catégories là. Une personne intelligent, une personne qui malin, une personne qui conscient qui est là pour le rendre compte, lui pour poser lui-même sa bonne qualité question là, est-ce qu'il y a un munafiq, lui pas pour honte, parce qu'il est besoin d'évaluer lui-même là, est-ce qu'il y a un mentir, est-ce qu'il m'a fait une fausse promesse, ça c'est bonne question qui est une personne intelligente, lui besoin pose lui-même, nous besoin d'un tracas, pareil comme Omar radiallahu an, fin d'un tracas, faudrait pas nous sous-estimer sa quitteuse, qui appelle-t-il l'hypocrisie ou bien l'hypocrisie nifaq dans nos bonnes actions, parce que certainement, si l'hypocrisie ou bien nifaq dans nos bonnes actions l'y amène vers grande hypocrisie, l'hypocrisie dans la croyance et sous conséquence, c'est Jahannam. De là, nous terminer et nous dire Ya Rab, fais-nous vivre parmi les musulmans sincères, protège-nous contre ce qu'ils nous appellent nifaq. Protège-nous contre l'hypocrisie dans croyance et dans nos bonnes actions et protège-nous contre sa fléau qui nous appelle double face. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.